Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sandra Laugier, La voix et la vertu. Variété du perfectionnisme moral en sous-titre. Stanley Cavell a contribué à redonner toute sa dimension à la tradition du perfectionnisme moral à l'occasion de la renaissance de la pensée de Ralph Waldo Emerson. L'idée de la transformation de soi est au cœur du perfectionnisme. Considérer le bien effectué, prendre de la distance par rapport à ses besoins et ses désirs. Putnam insiste sur la diversité des voies que l'on peut prendre. L'attention au mot, le care, pour ce que l'on dit et veut dire, caractérise une éthique de la parole. Le perfectionnisme est un nouveau regard critique sur la morale. La philosophie morale d'Emerson et de Thoreau est d'emblée politique et caractérisée par un refus de la société telle qu'elle existe. C'est une morale pratique. Emerson ordonne de nous faire confiance à nous-mêmes. La conversion ne peut s'opérer et s'accomplir que dans le langage. Se fonder sur soi-même, le concept de confiance en soi est élargi. Rawls considère que ceux qui expriment de la rancœur doivent être prêts à montrer pourquoi certaines institutions sont injustes. Trouver sa voie, inventer son public. La relation de couple avec Cavell est emblématique de la recherche perfectionniste, expression du pur plaisir de passer du temps ensemble. L'exigence esthétique chez Dewey présente la recherche du public comme recherche personnelle. Partout, la société conspire contre la dignité d'homme de chacun de ses membres. Les membres consentent à renoncer à la liberté, à la culture de celui qui mange. La vertu la plus demandée est la conformité. Quiconque veut être un homme doit être un non-conformiste. Rien n'est sacré dans l'intégrité de votre esprit. Ton amour, au loin, c'est de la méchanceté à domicile, Emerson. Je te le dis, ô philanthrope stupide des diverses œuvres de bienfaisance populaire, ce que je dois faire, voilà toute ma préoccupation et pas ce que pensent les gens. Faites votre travail et vous vous renforcerez. Pour votre non-conformisme, le monde vous fera subir le fouet de son courroux. La terreur qui fait fuir la confiance en soi et notre désir de cohérence, le respect de notre action ou de nos paroles passées, nous répugnons à décevoir autrui. Contredisez-vous, fuyez, traduire le passé devant les yeux du présent afin de vivre à jamais dans un jour nouveau. La cohérence stupide est le croque-mitaine des petits esprits. De la cohérence, une grande âme n'en a simplement rien à faire. Être grand, c'est ne pas être compris. Pythagore, Socrate, Jésus, Luther, Copernic, Galilée, Newton, etc. La croisière du meilleur navire est un zigzag où l'on vire 100 fois de bord. Votre action authentique s'expliquera toute seule et expliquera vos autres actions. La grandeur en appelle à l'avenir. Limogez le conformisme et la cohérence. Réprimandons la médiocrité polie. Chaque homme véritable est une cause et la postériorité suit ses pas. Le monde a été éduqué par des rois qui ont hypnotisé les yeux des nations. L'essence du génie est la spontanéité ou instinct, sagesse première, intuition, tandis que les leçons postérieures sont des instructions. Discernez la justice, la vérité et laissons passer ses rayons. Les rapports de l'âme avec l'esprit divin sont si purs qu'il est impie de chercher et y interposer des auxiliaires. Que Dieu remplisse de sa voix le monde. Les siècles conspirent contre la santé et l'autorité de l'âme. L'homme est timide, il n'ose plus dire « je pense, je suis ». La seule chose qui vaille, c'est la vie, pas d'avoir vécu. Dans la nature, le pouvoir est la mesure essentielle du juste. Résistons à nos tentations et élevons-nous aux perfections de l'obéissance et de la foi.
une prière fallacieuse et nos regrets. L'insatisfaction est une infirmité de la volonté. Pour le mortel persévérant, disait Zoroastre, les bienheureux immortels sont rapides, oracle chaldéen. Les dieux l'aiment parce que les hommes le détestaient. Le voyage est un miroir aux alouettes, révélant que les lieux sont indifférents. Leur rage de voyager est le symptôme d'une insalubrité plus profonde. L'intellect est vagabond. Insistez sur vous-même, n'imitez jamais. Ce que chacun peut faire de mieux, il n'y a que son créateur qui puisse le lui apprendre. La société n'avance jamais, aucun homme ne progresse. L'homme civilisé a construit une voiture, mais a perdu l'usage de ses jambes. Ses carnets nuisent à sa mémoire, ses bibliothèques surchargent son esprit. Le grand génie revient à l'homme essentiel. La société est une vague. Dépendre de la propriété est un manque d'autodépendance. Le calife a dit, ton sort ou ta portion de vie est à ta recherche. Ainsi, renonce à te mettre à sa recherche. Rien ne saurait vous apporter la paix que le triomphe des principes. La communication parfaite et la réflexion désintéressée sur les faits précèdent le jugement moral. Les philosophes ont été égarés, qui a conduit à chercher une définition unique de la morale. Wittgenstein dit que ce qui doit être accepté, le donné, ce sont des formes de vie. L'éthique a été un effort des agents moraux pour conceptualiser leur situation. L'éthique est à la fois exploration et analyse. C'est le langage qui permet une transformation de notre rapport avec les choses et les personnes. Le langage est un organisme vivant, car il est l'expression de la vie sociale et individuelle des êtres humains. Avec Michel Foucault, spiritualité constitue le prix à payer pour avoir accès à la vérité. Murdoch conçoit la possibilité d'établir certaines connexions conceptuelles comme quelque chose que nous avons conquis comme le résultat de l'effort et du changement intérieur. Transformation des horizons conceptuels. Murdoch articule connaissance morale et transformation du moi. Dans les écrits de Cavell, ce thème prend la forme d'une éducation qui a pour but de se rendre intelligible à soi-même. L'activité morale rencontre la résistance de notre égoïsme, thème de la difficulté à discipliner le soi. Murdoch, la contemplation non sentimentale de la nature, manifeste des qualités de détachement. Les préoccupations égoïstes se dissipent, rien n'existe plus que les choses qui sont vues. Le beau est l'attracteur d'une attention désintéressée. Dans son rapport à l'art, l'artiste authentique est courageux, sincère, patient, humble. L'art exige que l'artiste et le spectateur dépassent le sentiment de leur importance personnelle. Prendre soin de soi afin d'être un individu moral soucieux des autres. Dans l'approche perfectionniste, le moi est toujours en mouvement et en tension. Il tient ensemble le langage et la vie morale. Iris Murdoch accorde à l'individu une place centrale, réhabilitation. L'ennemi, c'est l'ego, et seul son dépassement permet d'accéder au bien, c'est-à-dire au monde. Cavell affirme que le perfectionnisme est la dimension de la pensée morale qui vise moins à réfréner le mal qu'à libérer le bien. Le bien n'est pas un moindre mal. C'est la thématique de la confiance en soi, crédit accordé à soi-même comme source de toute évaluation. Croire sa pensée, croire ce qui est vrai dans son intimité. L'autopposition est un principe d'immanence. Chaque affirmation est un acte moral. Réflexion sur la liberté des personnes. Conversion signifiant retournement, changement d'état. Libérer le bien, c'est dégager l'accès au bien comme mouvement, comme ouverture, comme auto-transcendance, le perfectionnisme lui-même. Puissance de vie, rapportée à la conduite de la vie. Hume déclarait que la raison est incapable de l'initiative d'une action. Il faut qu'une passion survienne. La raison n'était pas capable non plus de contrôler une passion. Naes se réfère à Spinoza sur la différence entre la simple survie, la conservation de l'existence ou l'autoconservation et l'épanouissement.
persévérer dans son propre être et pas seulement rester en vie. Nul ne sait ce que peut un corps. Spinoza, cité par Gilles Deleuze. Nietzsche relie le personnage du philosophe avec celui du voyageur, la liberté de la raison. Il appelle notre condition celle de la convalescence. Avec Emerson, les hommes cheminent sur la terre comme des prophéties de l'avenir, de tous leurs actes, et tous leurs actes ne sont qu'essais et expériences, puisque tout acte peut être dépassé par le suivant. Devenir l'auteur de nos mots, de sa propre existence, est une charge qui incombe à chacun et dont Emerson entend s'en acquitter avec l'écriture. Accepter de se fonder soi-même, accepter l'épreuve de l'isolement, du soutien des opinions communes en allant au bout de la version du conformisme, que nous devenons notre propre créateur. Stanley Cavell œuvre à faire entendre la voix d'Emerson, père fondateur de la philosophie américaine. L'important, c'est la voix. Notre capacité à parler pour soi et pour les autres. La voix est ce qui est défini comme la revendication propre à la confiance en soi, ce que Cavell appelle l'arrogance de la philosophie. Thoreau remarque que les hommes vivent dans le désespoir pour avoir perdu la capacité de la parole à donner voix à leurs pensées. Thoreau prône la désobéissance civile. La seule éducation véritable est l'éducation à la confiance en soi. La confiance en soi est l'aversion à l'uniformité et des pensées qui ne sont pas miennes. L'éducation de l'adulte serait éducation de soi par soi. Le rapport à l'ordinaire est une autre façon de formuler la question du rapport au monde, de notre capacité à dire le monde avec notre langage ordinaire commun. La confiance en soi implique un retour sur soi. Il faut apprendre à avoir confiance en son expérience. Le génie d'Emerson est de concilier aristocratie et diplomatie, et s'ouvrant sans complexe à l'accusation d'élitisme. La véritable confiance en soi est tournée contre l'institution. L'idéal serait une libre circulation de la parole entre inconnus égaux, trouver sa capacité à être expressif. Rawls lit Nietzsche comme un appel lancé aux individus à optimiser leurs chances d'accéder à l'excellence humaine. Que votre vie individuelle conserve la plus grande valeur, le sens le plus profond, seulement en vivant pour le bien des spécimens les plus rares. Cavell trouve que Nietzsche n'est pas extrême. Schopenhauer est l'éducateur autoproclamé de Nietzsche. L'homme qui ne souhaite pas appartenir à la masse doit simplement cesser d'être satisfait de lui-même. Qu'il suive sa conscience, sois toi-même. Nietzsche dit « Si l'on ne doit pas vivre pour le bien de la majorité, on doit vivre pour le bien de chacun. » Nietzsche nomme son meilleur ennemi, celui qui n'accepte pas son point de vue en maintenant la conversation ouverte. Procès du conformisme, ingrédient principal de l'individualisme de Tocqueville. S'enfermer en soi est le comportement pathologique de l'individualisme exacerbé. C'est ainsi qu'une masse se substitue au peuple. Thoreau enjoint d'aller vers l'ouest, l'avenir, l'inconnu, l'aventure, la sortie hors de soi. L'est étant à l'inverse la direction du passé, le retour, la maison, l'histoire de la vie sociale. L'accomplissement individuel dépend du développement, du goût de faire des expériences de nature à ne pouvoir revenir vers soi que comme un étranger. C'est dans les bois que se trouve la jeunesse éternelle, self-reliance. La perception est sortie hors de soi. Le perfectionnement est lié à une confrontation avec le dehors, intrinsèquement. Pour Aristote, vivre en homme, c'est dépasser la condition humaine. La philosophie consiste dans un mode de vie consacré à la pensée. Se consacrer entièrement à l'activité de l'esprit et ainsi posséder en soi quelque chose de divin. Platon affirme que ce qui importe de chercher l'homme qui nous donne le pouvoir et le savoir de discerner et de choisir le mode de vie, le meilleur. Épicure aussi était un remarquable directeur de conscience, ce qui guérira le disciple et son courage à avouer ses erreurs, vertu thérapeutique de la parole. Marc Aurèle a dans son ouvrage fait un travail sur lui-même, se formulant de manière personnelle et imaginative les dogmes du stoïcisme. Se transformer soi-même afin de réfréner la colère ou la crainte de la mort,
de retrouver la paix de l'âme et d'agir au service de la communauté humaine. Comment vivre est le problème philosophique par excellence. La philosophie est une éducation des adultes. Pour Kant, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Concept d'universalité très important. Dans ses cours, Michel Foucault enseigne une éthique de soi, ultime résistance au pouvoir politique dans le rapport de soi à soi. Résistance est le mot-clé de la dynamique du pouvoir. Perspective du souci de soi. Prononçant la parole liberté, la perspective éthique est inévitable. Il souligne que l'éthique est la pratique de la liberté, la pratique réfléchie de la liberté. Leibniz conçoit la volonté selon un modèle tiré de la philosophie naturelle, volonté, nature, force. Et Kant, qui examine la volonté selon un modèle issu de la philosophie du droit, volonté, loi, bien et mal. L'étude des exercices spirituels doit commencer par la philosophie antique, Pierre Hadot le démontrant. Michel Foucault aussi se tournera vers la philosophie antique à la fin de sa vie. Le lieu indiscutable d'exercice spirituel éthique, technique ou pratique de soi. Julien souligne que la sagesse a été considérée comme une sous-philosophie. Aujourd'hui, on appelle sagesse une sorte d'auto-satisfaction. Michelet, la religion grecque finit par son vrai dieu, le sage. Hadot admet que le mot sage a mal vieilli, mais qu'un philosophe peut espérer devenir un sage parmi les hommes, conscient de la distance qui le sépare des dieux. Ainsi, sa tâche consiste à s'exercer dans la vie à la sagesse et à décrire dans le discours philosophique le sage idéal. La recherche de la sagesse ne peut jamais finir. La sagesse exige toujours plus. La sagesse exige le renouvellement perpétuel. Rilke, quelque part dans l'inachevé, cité par Jankélévitch. L'inachèvement sans cesse, Brock. Dans notre finitude, la sagesse ne saurait être un état chronique, Jankélévitch, mais une série discontinue de moments. C'est un idéal qu'on peut seulement s'approcher. C'est une tâche qui doit se poursuivre tout au long de la vie, Michel Foucault. Épicure, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour prendre soin de son âme. Galien, pour devenir un homme accompli, chacun doit s'exercer, pour ainsi dire, toute sa vie. Foucault, s'occuper de soi est une forme de vie. Épiméléia désigne une occupation réglée. Prendre soin de soi comme activité constante, un savoir spirituel, une ascétique de soi, logique. Toute la philosophie est exercice, le discours orientant notre action. L'exercice spirituel réalise une transformation de la vision et une métamorphose de l'être, Pierre Hadot. Pratique destinée à opérer un changement radical de l'être. Les exercices sont liés à la transformation de soi. Les théories philosophiques sont au service de la vie philosophique. Propose à l'homme un art de vivre. Pas de construire ou d'exposer un système conceptuel. Chercher à mettre sa vie en rapport avec son discours, sinon sophiste. La philosophie est légitime quand elle est partie intégrante de sa vie, Hadot. Goethe, héritier de la conception antique de la philosophie. L'exercice change notre conception de l'éthique. Notre devoir est d'inventer pour nous-mêmes les exercices de soi. Le kairos, l'occasion propice, le moment favorable. L'essentiel de la philosophie n'est plus le discours, mais la vie, l'action. Il faut que la philosophie se rapproche de la vie pour ne pas être vide. Le réel est la vie même. La manière dont les individus se conduisent tout au long de leur existence. Dernier mot de Foucault d'une spiritualité militante. Notre raison est une particule de la raison universelle. Les cyniques étaient les seuls à pratiquer la vie réellement philosophique, faisant de la vie même leur enseignement, vie non dissimulée. Ascasis, construction positive de soi, par un travail de soi sur soi qui prend pour objet la vie quotidienne, forme de l'existence pour le dire vrai. Diogène est absolu car il n'a besoin de rien. Il est inattaquable. Alexandre a besoin de l'armée, des gardes, des alliés. Lutte contre les conventions sociales pour le perfectionnisme de Cavell
lutte perpétuelle d'Emerson. Arrachement et rupture du quotidien pour Ado. Le philosophe ne laisse jamais son quotidien lui passer à côté, moteur d'une transfiguration. Importance de la vie quotidienne. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes. Nietzsche reprochait à ses contemporains que personne ne vivait plus en philosophe pour faire de la vie quotidienne un témoignage technique de l'ordinaire. Créer de nouvelles manières de vivre ensemble et des formes inédites de résistance. Heidegger satisfait une haine du moralisme. Cavell déploie un concept d'autonomie. Autrui sur le mode de l'indifférence, du soupçon, où l'autre est une figure négative de la concurrence, de la menace, de l'intrusion. Cavell parlera du pouvoir de saisir notre liberté et de reconnaître ce droit chez les autres. Modèle sartrien du choix radical. Les transformations neurologiques associées à une consommation de quoi que ce soit sont durables et ne disparaissent jamais complètement. Notion sociologique d'habitus de Pierre Bourdieu. Certains sujets sont plus moraux ou vertueux et portés au cœur et à l'entraide. Pour Luc Boltanski, l'émancipation désigne le chemin de la relation entre le collectif et les institutions. Ce chemin, il appelle communisme dégagé de la violence totalitaire, critique libertaire des institutions, sécurité sémantique contre domination, et défense durkheimienne des institutions. Avec Emerson, la vertu de la jeunesse est d'accorder son attention aux événements, aux choses qui surgissent et émergent, au réel dans sa pleine factualité. Thoreau valorise l'Ouest, l'inconnu, l'aventure, la sortie hors de soi, l'Est étant le passé. Emerson écrivait que le pire est d'être enfermé dans la prison de sa conscience. Thoreau, dans Walden, remarque que si les hommes vivent dans le désespoir, c'est pour avoir perdu la capacité de la parole à donner voix à leurs pensées. Sandra Laugier, la voix et la vertu. Merci.